Ce déjeuner débat un prétexte pour les responsables du réseau de compétences de la Fondation Benian International pour discuter des problèmes d'emploi. Nous avons pas mal de lauréats qui ont été formés en Europe, aux États-Unis. Il y en a qui travaillent, il y en a qui n'en ont pas. Et ce que nous souhaiterons, c'est que les entreprises puissent venir puiser dans ce vivier de compétences de la Fondation Benian International, de sorte à pouvoir relancer donc nos économies et nos activités. Également évoqué, le rôle des ressources humaines dans le cadre de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Un des piliers, c'est vraiment la qualité des hommes et des femmes qui vont gérer ce pays. La Fondation a toujours voulu magnifier l'excellence dans les ressources humaines. L'émergence, c'est aussi une question de mentalité. On n'émerge pas parce qu'on a les bonnes compétences simplement, on a aussi besoin de mentalité, d'état d'esprit. Et on voit aujourd'hui autour de nous un état d'esprit qui est un peu déliquescent, une mentalité qui n'est plus la bonne. Il faut que les gens soient solidaires, courtois, et c'est à tous les niveaux. Former des ressources humaines de qualité. La Fondation Benian International, dont Noël Akosi Bendjo est le président, en a fait son cheval de bataille depuis la création de cette association d'utilité publique en 1996. La Fondation œuvre dans le domaine de l'enseignement supérieur. Elle a permis à ce jour à 350 personnes de se former dans les universités et grandes écoles de renommée internationale.